L'Église, notre Mère, nous rassemble en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B pour célébrer notre Dieu qui nous appelle à tout abandonner pour le suivre. L'Évangile de ce dimanche nous révèle que personne n'est bon sinon Dieu seul. En effet, face aux obligations que requiert l'héritage de la vie éternelle, Jésus rappelle au jeune homme la pratique des 10 commandements. Il lui demande également de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres afin de pouvoir le suivre dans la perfection. Que cette célébration eucharistique renouvelle notre détermination à suivre Jésus et que sa grâce nous libère de tout ce qui nous attache aux choses qui passent. Prière de vous lever pour commencer notre messe en chantant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Venez, Dieu nous appelle, Dieu appelle chacun de nous. Sa parole nous rassemble, son corps et son sang nous rassemblent. Ces jours de fête, ces jours de joie. Jour d'allégresse. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B.
en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et soeur que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous défense et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Oh, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 7, versets 7 à 11. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À cause d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de ça. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par sa main, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous allons prier dans le psaume 89. Après chaque strophe, nous chanterons. Et ta beauté.
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, les versets 12 à 13. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, dominé par son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole de Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda : Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit : Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit : Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde autour de lui et dit à ses disciples : Comme il sera difficile à ceux qui possèdent de la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprend : Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : Mais alors, qui peut être sauvé ? Jésus les regarde et répond : Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers et frères bien-aimés, bonjour.
Bonjour. Je dis à nous venir dans l'occasion 28e dimanche dans l'ordinaire année B pour nous capables d'écouter la parole de bon Dieu. Pour nous nommer nous avec l'Eucharistie, qui c'est source et sommet la vie tout chrétien. Et je dis à Frémsem, il y a un message que bon Dieu communique nous à travers la parole. Mais message ça, il est sorti de une question que un homme riche posait Jésus. Qui question liée? C'est maître, qui ça pour me faire pour me capable de gagner la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? La vie éternelle, c'est aspiration tout chrétien, c'est aspiration tout le monde qui a marché derrière Jésus, qui a servi bon Dieu. Depuis au monde où vient l'église, ou pas gagner ça en arrière-pensée, ou bien comme but, comme objectif, question pour gagner la vie éternelle, eh bien, on vient de l'église en vain. Parce que ce qui est important pour nous tous, c'est la vie éternelle. Pour tout chrétien, on dit bien, tout le monde qui voulait marcher derrière Jésus. Quel monde, objectif dans le monde ça, ou bien sous terre, c'est pour gagner un pile bien. C'est pour gagner un pile l'argent. C'est pour gagner un pile renommé. Gros renommé, un pile contact. Des gens sont capables de voyager, visiter plusieurs pays. Tout ça, c'est un objectif que les gens sont capables de gagner. Mais objectif qui surpasse tout objectif, c'est objectif ça que les chrétiens doivent gagner. C'est but ça, c'est finalité ça que chaque chrétien doit gagner, qui c'est la vie éternelle, la vie qui n'est pas jamais finir. Mais maintenant, Nigel a dit, nous, par exemple, qui ça, la vie éternelle, là, y est? D'accord. C'est ça qui doit moteur la vie en chrétien. C'est ça qui supposait vocation tout chrétien. Travail pour gagner la vie éternelle. Mais qui ça, la vie éternelle, là, y est? La vie éternelle, la frère, c'est vivre avec bon Dieu éternellement. Pour les siècles sans fin. C'est vivre avec bon Dieu pour l'éternité. C'est ça, la vie éternelle. Et la vie, ça, qui est-ce qui est capable de barouler? Est-ce que c'est l'homme même, genre avec nous, qui est capable de barouler la vie éternelle? Hein? Est-ce que la vie éternelle, c'est bien matériel qui est capable de barouler? Non. Est-ce que c'est contact qui est capable de barouler la vie éternelle? Est-ce que c'est pouvoir qui est capable de barouler la vie éternelle? Est-ce que c'est puissance qui est capable de barouer la vie éternelle? Est-ce que c'est âme qui est capable de barouer la vie éternelle? Est-ce que c'est faire la guerre qui est capable de barouer la vie éternelle? Non. La vie éternelle, c'est un don. Et c'est bon Dieu seulement qui est capable de barouer la vie éternelle. Oui, bon Dieu baroule, mais le monde est également capable de contribuer dans don ça et don ça. Et comment pour me contribuer pour me capter la vie éternelle? La réponse est claire et ça se trouve dans l'Évangile. Qui ça pour nous faire pour nous capables de gagner, pour nous capables de contribuer pour nous donner la vie éternelle? Qui ça, bon Dieu, te dit, jeune homme riche là? Ça te dit. Il dit, piga ou tuer, piga ou commettre adultère, piga ou voler, piga ou faire mentir, souffrir ou acteur. Remé maman et papa, et qui côté nous conduit ces paroles ça? Hein? Dans, c'est ça, dans 10 commandements, yo, dans le décalogue. Donc Jésus dit, non, Michelin, eh bien, si vous observez 10 commandements, vous avez gagné la vie éternelle. Je n'ai pas dit Jésus, mais fait tout le bagage déjà. Jésus dit très bien. Mais il y a un seul bagage au manqué. C'est qui ça le dit? Hein? Vendre tout ce qu'on gagne. Et pourquoi finir? Non, vendre tout ce qu'on gagne et puis
partagez avec pauvre, partagez avec l'autre. Richesse là, fait jeune homme riche là, pas capable de servir Jésus totalement. Pour suivre Jésus, frère et sœur, faut qu'on quitte toute bagaille. Pas de gain en rien qui est plus important que Jésus. Faut qu'on accepte quitter toute bagaille. Et dans la Bible, frère et sœur, nous jouons plusieurs appels que Jésus fait à les disciples pour qu'ils soient capables de laisser toute bagaille pour suivre lui. Par exemple, le premier disciple que Jésus a choisi, dans le Marc, chapitre 1, verset 18-19, qui ça m'a dit, il a quitté de côté filet, il a quitté toute bagaille, Jésus est là, il a suivi Jésus. Marc 1, 18-19, donc le premier disciple, appel Jésus te fait yo, yo te quitté tout bagay pour suivre Jésus. Gen par exemple, en voie, en mission, Jésus pral fait à disciple. Là nous dans Marc chapitre 6 verset 8. Jésus pral dit yo, nan mission voye nou al faire, pas aller avec rien. Ke bien on bâton seulement nan men. Quitter tout bagay. Et puis après aller en mission. Gion l'autre parole encore Jésus pral dit Marc chapitre 8 verset 34. Jésus pral dit si quelqu'un veut venir à ma suite qu'il renonce d'abord à lui-même qu'il prenne sa croix et qu'il me suive qu'il renonce à lui-même quitter toute bagaille derrière. Donc un monde qui voulait suivre Jésus c'est quitter toute bagaille, rien pas de plus important passer Jésus. Et même richesse là, même bien qu'il y ait gagné, n'est pas de bien important que Jésus. Qu'on est là, est-ce que Jésus a un problème avec mon petit riche? C'est question samedi à me poser non. Si Jésus dit, c'est plus facile pour un chameau passer dans notre aiguille, donc on aurait aiguille, pas vrai? Hein? Tout le monde qui l'a, on aurait aiguille. Donc on aurait coude. Donc on aurait chameau. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un chameau qui va passer dans tous les aigus? Hein? Ça fait ça. Il est trop gros pour tous les aigus. Hein? Mais comme Jésus fait dit, c'est plus facile pour un chameau passer dans tout ça que un monde riche rentrer dans le royaume ciel. Est-ce que nous avons un dilemme qui est dans ça? Est-ce que nous avons une nuance là? Eh bien, pour ça, Jésus dit ça, c'est parce qu'en pile fois, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est parce qu'en pile fois, richesse, ce n'est pas nous qui possédons, mais c'est nous qui possédons. Et richesse, c'est nous qui devons posséder richesse. C'est nous qui faisons bien, c'est nous qui sommes riches. Bon Dieu, nous avons intelligence pour nous capables de travailler, pour nous capables de vivre riches. Donc, richesse, ça ne va pas faire nous faire n'importe quel bagaille. L'argent, le pouvoir, pas de faire nous faire n'importe quel bagaille. Nous ne pas de quitter richesse. Posséder nous, c'est nous qui pouvons posséder yo. L'autre aspect qui vient dans ça encore, richesse yo, les bons dieux mettent dans main, les mettent dans main pour qui ça? Pour capable serrer, garder mon cap souffrir, pas vrai? Hein? Les mettent dans main pour capable partager. Richesse là pas capable faire aveugle. Il n'est pas capable d'empêcher les gens qui souffrent. Au contraire, il doit tourner un moyen pour aider ceux qui ont besoin. Parce que l'on prend richesse ou en magasin ou en serré. Et l'on mourir. Ça va le faire avec eux. Pour qu'ils soient quittés. Et pourtant, tu as un frère ou tu as une soeur qui ont besoin. Bon Dieu, mettez dans la main pour capable aider. Ou pas aider. Laisse ça, richesse ou bien gagner, rend-nous aveugles. Et c'est ça même Jésus a dénoncé. Il n'y a pas de problème avec aucune richesse. D'ailleurs, dans la Bible, richesse est considérée comme une bénédiction de Dieu. Les gens riches, ils disent que c'est bon Dieu qui bénit. Rappelez-nous Job. Job est riche. Rappelez-nous Abraham. En plus, l'autre qui a servi bon Dieu. Rappelez-nous Salomon, que nous écoutons dans le livre de la sagesse pour nous sur la Bible. D'ailleurs, nous avons dans la grande demande Salomon a fait bon Dieu. Il dit, je ne vais pas demander moins de richesse. L'or, besoin d'intelligence pour être capable
gouverner peuple on même besoin de sagesse pour capable gouverner peuple on mais l'elfin fait demande ça bon Dieu bali l'or bali richesse parce que bon Dieu ouais il pas courir des richesses donc bon Dieu bali plus que ça était espéré et ça bon bon Dieu oui l'homme humble bon Dieu levé en l'air l'homme dit bon Dieu on va avec humilité bon Dieu bon plus que ça était espéré donc bon Dieu bali Salomon plus que ça était espéré. Donc pour me dire que bon Dieu pas qui pour la richesse. Salomon a été un homme riche. Mais c'est qui utilisation fait de richesse là, c'est ça qui est important. Donc les bon Dieu mettait dans main, il mettait dans main pour capable partager, pour capable bailler. Et nous connaissons la réalité déjà, plus ou bailler, c'est plus bon Dieu mettait dans main. Plus ou partager, plus ou remet partager. C'est plus bon Dieu, mais t'es qui choye dans mes pour que vous capable de partager. Mais il faut donner, il faut partager. Donc c'est une finalité richesse là. C'est pour capable bailler. C'est pour capable de partager. Qui problème richesse là-bas nous encore? L'autre riche, le riche, il développe la caillou un sentiment d'autosuffisance. Ça veut dire vous venez orgueilleux. Vous venez penser au capable de faire, au capable de faire. Ou pas bon Dieu comme référence ou qui c'est source toute richesse. Ou pensez à frapper l'estomac tout le temps, à chanter quant à moi, parce que vous avez le pouvoir, ou avez l'argent, ou avez la richesse, ou pensez tout le monde doit courber dans le pied. Mais ça, ce n'est pas bon Dieu qui prend première place dans la vie, ou c'est propre tête pas, ou c'est l'ego, c'est vous-même qui placez devant bon Dieu. Donc c'est le problème ça, bon Dieu, qui avec richesse là. Et non pas à richesse là en tant que telle, mais à utilisation nouvelle de richesse là ak sa richesse là capable faire nous tourner ak façon richesse là capable transformer nous donc frère Sam c'est nous qui avons grâce pour nous demander bon Dieu pendant toute l'Eucharistie ça faut que nous comprenions que la vie éternelle c'est un don gratuit même Jean je nomme témoin de bon Dieu qui ça pour me faire pour que me capable gagner la vie éternelle et bien il faut savoir que la vie éternelle c'est un don gratuit. La vie éternelle n'est pas venue par mérite, nous. Apôtre dit Jésus, et nous-mêmes, grand maître, qui quittait toute bagaille pour nous suivre, nous. Qui ça? N'a pas joué. Jésus pral dit, pas grand rien que nous quitter, madame, caille, bien, etc., pour nous pas joindre tout ça, yo, au centuple. Mais c'est vrai. Mais, à côté de ça, il faut comprendre d'abord, et surtout que la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle, pas par nos mérites, pas comme récompense, mais parce que tout ce que Dieu donne est don. Tout n'est que grâce. Deuxièmement, un mot mon Dieu également, c'est vrai que nous travaillons pour que nous avons la vie éternelle, mais il faut que nous mettions sentiment la caille, nos sentiments ça, pour nous quitter tout le bagage pour nous suivre. Ça fait nous comprendre finalement que pas grand rien qui est plus important que mon Dieu. Il faut tout quitter, il faut tout abandonner. Pour suivre le Christ. Tout ça qu'on est capable de considérer comme richesse, quittez-vous. Suivez Jésus. On demande à bon Dieu tout également la grâce pour que nous capables de comprendre n'importe moyen que nous mettons en main. Que nous capables de considérer peut-être comme richesse pour que nous apprenions à partager, apprenions à bailler. Parce que une finalité richesse, là, c'est donner, c'est bailler, c'est aider, c'est partager. Ça doit faire de vous un homme, une femme généreux, généreuse. On demande bon Dieu la grâce pour que nous capables pas quitter rien avec les nous pour nous servir aucune bien sous terre, aucune richesse sous terre pas doit faire nous mal pour nous servir mais pour que nous capables travailler avec ça que les ban nous yo, moyen que le ban nous yo pour nous capables aider frère nous aider sœur nous et les ça n'a bien un gros trésor qui caché dans ciel là. Laisse vraiment, nous sommes capables de travailler pour la vie sans fin, pour la vie éternelle, pour la vie qui ne va jamais finir. Amen.
Et maintenant, qu'il vous plaise de vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous invite à travailler pour la vie éternelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Chantons après chaque intention. L'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, la force de continuer à vivre dans l'amour, la sagesse et l'abnégation selon l'exemple que Jésus leur a donné. Nous t'en prions. Grand maître, n'a pas la prière pour tout dirigeant dans le monde là, une façon spéciale pour si la yo cap dirige pays non Haïti. T'en prie papa, changez kayo. Ba yo l'esprit mon comprenant, comme ça yo va prendre bonne décision pour aider pays ya dans situation la misère et insécurité la vivre chaque jour. Ensemble, en nous la prière. Seigneur, accorde à tous les malades de corps et d'esprit, les prisonniers, les démunis, les persécutés et tous ceux qui traversent des moments difficiles, de savoir trouver dans ton amour et ta miséricorde la guérison, la délivrance et le réconfort. Nous t'en prions. Mmh.
Grand-mère, la communauté paroisse nous, nous tous qui rassemblés dans la messe là, jodia, axilayo kap suiv nous grâce à les médias sociaux, courage et détermination pour être capable de tout yo même notre travail pour héritage royaume ciel là. Ensemble, en nous la prier. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, dans une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort,
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires, Monseigneur Sander et Monseigneur Wismic, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux dans leur vie, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix dans notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit : je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous les anges et vous les cieux. Bénissez le Seigneur. Les eaux par-dessus le ciel. Bénissez le Seigneur. Vous les puissances d'en haut. Bénissez le Seigneur. Vous le soleil et la lune. Bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel. Et la louange pour l'éternité.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Mais annonce que nous gagnons pour ce maintenant. Jeudi, dimanche 13 octobre, qui c'est 28e dimanche ordinaire, année B. Nous avons gagné messe à 6h15, messe 8h, 10h, et nous avons une dernière messe qui a fait à 4h. Comité liturgique paroisse a invité tout membre dans Assemblée générale qui a bien pour fête demain lundi 14 octobre là à 4h30 dans la salle paroissiale là. Comité a compté sous présence nous toutes. Nous demandons jeunes monde à grand monde qui pourquoi recevoir sacrement confirmation pour yon passer inscrit dans le bureau l'église là. Messe en semaine 6h, 7h, midi tous les jours. Moun ki ta remè recommandé la messe, yo capable passer dans bureau d'église là ou bien relé dans numéro de téléphone paroisse là. Vendredi 18 octobre, c'est fête Saint-Luc évangéliste. Samedi 19, c'est journée de prière et de louange. Messe à 6h, messe à 7h, messe à midi. Et à 4h p.m. à bien messe dans la chapelle Pâte de Pio. Dimanche 20 octobre, c'est le 29e dimanche ordinaire année B, c'est journée missionnaire mondiale. À bien messe aux heures habituelles. Clergé paroisse là, remercie moun qui baille contribution yo pour aider l'église là payer dette li. Li mande moun qui poko fè geste pa yo pour yon pas quitter mois octobre la fini sans yon pas bay yon offrande spéciale. Ça nous bay pour travail bon Dieu, nous pas perdu. Bon Dieu a multiplié li pour nous. Frère Maxime yo, kaye Régis pour recevoir intention prière nous yo pour parents ak zanmi defunt yo déjà louvri. Passer dans bureau d'église là pour nous capable recommander la messe pour parents défunts nous yo. Nous capables tout faire ça par téléphone. Nous remercions tout le monde qui a participé dans cette célébration, tout le monde qui a activement à faire un service et gagné comité l'ordre accueil, gagné comité quête. Nous disons tout merci, il y a un caméraman, il y a un enfant de cœur, il y a un comité liturgique. Nous disons tout merci. Nous remercions également le groupe, ou bien le chorale des jeunes maris. Donc, les jeunes maris, c'est un groupe, mais dans le groupe, ça, il y a un chorale qui chante très bien, que nous allons jouer assez souvent chaque mois, parce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'animer la messe pour nous. Donc, nous disons merci pour belle animation, ça, belle célébration, ça. Nous remercions également les musiciens qui accompagnent. D'ailleurs, Maïsoa, c'est lui qui a joué keyboard et il y a un ami qui a joué tambour. Donc, nous remercions nous tous pour l'animation, la messe là. Et la bonne bravo pour qu'elle soit capable de remercier tout le monde. Merci. Nous voulons dire qu'on est là. Bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance. Mais avant, nous disons bonne fête pour l'anniversaire de fondation, l'anniversaire de naissance. La panneau pensée, nous gagnons pour moi. Bon, alors pour jeudi, parce que chaque jour, nous gagnons une pensée pendant tout le mois octobre là, qui est dédié à Notre-Dame du Rosaire, qui c'est moi Rosaire.
Donc, pensez nous gagner aujourd'hui, hein, les venus de Pape Léon XIII. Pape Léon XIII, qui ça te dit sur le rosaire? Pape Léon XIII te dit, le rosaire est une prière incomparable et d'une efficacité souveraine. Le rosaire est une prière incomparable et d'une efficacité souveraine. Pape Léon XIII. Et c'est sous penser ça, nous avons pendant toute journée, hein, pour nous méditer dans ce qui a un rapport avec rosaire. Le rosaire est une prière incomparable et d'une efficacité souveraine. On nous dit bonne fête, Kounia, là, à tout le monde qui a célébré l'anniversaire de fondation, l'anniversaire de naissance, et tout le monde qui a célébré un événement qui est content dans la vie. Yo. Joyeux anniversaire de fondation à Entrelles. Entrelles a célébré 3 ans de fondation. Et bonne fête à Antoine Stanley, Renette Laloy, Belinda Guerre, Cassis Junior, Joseph Fatima Léon Prophète, Daria Christelle Talcide, Emmanuel Mathéo Roudley. Bonne fête à Eugène Cherline, Fanfan Raphaël Véus, Harry Moreau, Frances Dorin, Isabella Bernadel, Gasline Gemifa Auguste, Jacqueline Nedor, Joseph Marie Venita, Keisha Alia Moïse, qui est membre du groupe et de la chorale fraternité, du comité liturgique junior, chorale de l'avenir, grande chorale paroissiale. Lloyd Maïder, Marie-Roland Gay, Marie-Martha Cotier, Michel Michel-Ange, Derland Saint-Donnel, Pardieu Betty, Sacha Lafleur. Bonne fête à Fatima Clairfond, Julissa. Bonne fête à Andy Stéphaniel Sileus. Et bonne fête également à Marie Altagracia Monsanto. Tout le monde qui a célébré, nous dit bonne fête également. Donc, si vous avez là qui a célébré, qui est présent dans l'église là, nous invitez-nous pour que nous soyons capables d'avancer. Avancer pour nous bénir, nos bénédictions, pour nous saluer nous. Et entre-temps, on a chanté pour nous dire tout le monde qui a célébré votre fête. Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter. Maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. N'oubliez pas la pensée pour aujourd'hui. Le rosaire est une prière incomparable et d'une efficacité souveraine. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci. Allez dans la paix du Christ. Oh.